Mais j'ai trouvé pas mal embarqué. Parce que de toute façon, ils sont 10, ils ont 2 ans. Et mon petit doigt me dit que on va pas partir pour dormir. Donc bon. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est bien parti. Deux chevaux en retrait. Kezio Pergi qui a perdu toute chance et qui est disqualifié. Faute dans le premier tournant d'un des représentants de Fabrice Soulois. C'est ce Enjoy dont on parlait avant le départ. L'autre Top of Climb est bien parti, mais à distance de Tony Le Belair qui voit Kalinka GD s'installer au commandement dans ce lot. Dans le sillage immédiat, on retrouve Kiva Deham. Kiva Deham, qui est une sœur du bon Eham, dont le nom m'échappe à l'instant, mais dont je vais vous rappeler. C'est celui qui a de la caféine dans son nom. Kofi Luke Deham, voilà, c'est la sœur de Kofi Luke Deham qu'on retrouve dans le sillage. Presque immédiat, parce que le temps que je cherche Kofiluk des âmes, elle s'est montrée fautive la pouliche. On aborde bientôt le dernier kilomètre et on va sur le bon tempo avec Kalinka GD qui a l'avantage. Prise en chasse par Top of Climb. Et on va certainement aller en progression. N'est pas allé si vite que ça sur le premier kilo. On va peut-être essayer d'aller un peu plus vite. En tout cas en progression Alors, pour le deuxième on va kilo. entendre l'écurie de Stéphane Meunier demander au secrétariat. Un représentant de l'écurie Stéphane Meunier est demandé au secrétariat. Ouais, toujours nettement l'avantage hein, pour Kalinka GD. Pour passer au poteau des 500 derniers mètres top. Effort en dehors de Coteau de Piancourt avec Arnaud Randon qui va faire 500 bons derniers mètres hein. Rendant ainsi hommage dans son style à son éleveur décédé il y a peu. Et c'est ce Coteau de Piancourt qui va finalement remporter son lot. Ça va passer au chrono pour les trois premiers sans aucun problème. Mais les impressions peut-être un petit peu attendues au préalable ne sont pas non plus dithyrambiques. Pour finir, ça va passer pour les trois premiers sans problème, peut-être même pour les cinq. On va regarder ça, on va écouter surtout les officiels, The Voice de Caen qui va nous donner le résultat. Alors Robert Malherbe, l'homme des Piancourt, dont on a appris le décès la semaine dernière. C'est de lui dont je parlais quand on parlait de ce Coteau de Piancourt, donc lauréat de ce lot numéro 16. On va écouter le chrono. Les trois premiers sont retenus dans ce 16e lot, le numéro 167, pas 119, 7, le 163 en 20, le 169 en 26. Et pour information, le 164 est refusé en 21 de 5. Et les trois premiers sont retenus. 17e en piste, 17e. Coteau de Piancourt donc se qualifie en 19-7.